Si j'évoque une montagne, une image alors vous viendra à l'esprit. Mais vous ne connaîtrez pas l'immensité de sa structure, la dureté de ses roches, ses ravins, ses pics, ses grottes, la calotte de neige couvrant son faîte toute l'année, ses chutes d'eau qui deviennent des lacs à la fonte des glaciers. Il me faudrait faire une description détaillée de chacune des caractéristiques de la montagne pour vous donner un aperçu de sa splendeur. Et même après le commentaire verbal le plus détaillé, vous n'auriez toujours qu'une représentation mentale sur laquelle vous appuyez. Vous ne connaîtriez toujours pas la montagne. Si je parle d'un ouragan, je peux évoquer des arbres pliés jusqu'à terre, que fouettent des tornades, des murs qui s'écroulent, des chevrons cassés, des briques et des toits qui s'envolent, des fenêtres brisées, des voitures retournées, de gros arbres déracinés. Mais vous ne connaîtrez ni la force, ni le souffle de ces vents, pas plus que le bruit des pierres qui s'écroulent ou la terreur que tout cela provoque dans le cœur des gens qui l'endurent, avant de l'avoir vécu vous-même. Il en va de même lorsque je tente de vous décrire ce qui a donné vie à toute la création. Vous pouvez deviner, non connaître. Lorsque vous aurez vous-même vécu tout ce dont je parle, vous aurez une idée de ce que j'essaie de vous dire. Aussi, que personne parmi vous qui lisez mes lettres n'en débatte avec quiconque pour les contester, nier la vérité de mon enseignement ou réfuter mes paroles. Car je vous dis sincèrement que vous ne pouvez connaître pleinement ce que vous n'avez pas vécu. Seuls ceux qui me suivront dans l'acceptation et la foi, méditant au quotidien, purifiant leur conscience, priant avec ferveur pour demander l'illumination, auront des aperçus de plus en plus profonds, puis des expériences de ce à quoi la création elle-même peut accéder, la conscience divine. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre la conscience universelle et la conscience divine. La conscience universelle est le royaume universel de l'espace. Nul ne peut y entrer ou y accéder, car il repose dans un état d'équilibre et d'énergie autonome. La conscience divine est l'union retrouvée des impulsions originelles au sein de la conscience universelle. Elles avaient été éjectées pour devenir l'activité et la substance de la création au moment du Big Bang. Ces impulsions se scindèrent dans l'explosion, puis se réunirent dans un état de contrainte mutuelle. Elles étaient aussi destinées à travailler éternellement dans le domaine du créé, séparément, sous forme d'énergie ou ensemble, contrainte et en équilibre. C'est uniquement ce domaine de conscience divine que la science peut pénétrer. Ce sera peut-être plus clair ainsi. La conscience universelle s'infuse dans les impulsions universelles. Qui sont ? Volonté de créer en contrainte mutuelle avec but de s'expérimenter, intelligence en contrainte mutuelle avec amour, volonté intelligente et but d'amour sont en équilibre. C'est là une description intellectuelle, verbale de la conscience universelle. Cela ne vous aide pas davantage à apprécier la magnificence et la grandeur sublime de la puissance, la beauté, la joie, l'harmonie, l'extase des couleurs et des sons au-delà de votre dimension. Nous seulement qui avons ascensionné dans les fréquences vibratoires de la conscience jusqu'aux portes, au seuil même de l'équilibre de la conscience universelle, ressentons et irradions le ravissement de la connaissance de soi, du potentiel véritable
sans désir de l'accomplir, et la joie merveilleuse de la réalisation personnelle, sans qu'il y ait à lever le petit doigt. C'est là une métaphore. Bien que je conserve mon individualité, je ne suis actif qu'en conscience et n'ai plus en aucune façon de corps physique. Je n'en ai d'ailleurs plus depuis mon ascension spirituelle, continue dans d'autres dimensions après ma mort sur la croix. Vous vous demandez alors peut-être comment de si gigantesques impulsions universelles peuvent se trouver en état d'équilibre. Elles sont dans un état de contrainte égale et mutuelle. L'impulsion d'amour attire et nourrit. Elle maintient la volonté active et créative sous son contrôle. Je ne peux expliquer ce phénomène simplement que dans les termes suivants. Placez la paume de l'une de vos mains sur celle de l'autre paume en mode inversé, c'est-à-dire le bout des doigts de chaque main touchant le poignet de l'autre. Essayez maintenant de les séparer tout en les gardant étroitement aplatis l'une contre l'autre. Vous aurez une idée de la signification de l'équilibre ou contrainte mutuelle. En outre, comprenez que vos mains sont certes en train d'exprimer un phénomène physique, mais que des impulsions venues de votre cerveau les gouvernent. Ce sont elles que vos mains expriment. Votre cerveau sert d'intermédiaire aux idées conscientes, aux impulsions. Mais les impulsions sont la réalité de tout mouvement, non le cerveau physique, moyen d'expression de ces impulsions. Voilà un rapport bien intellectuel de la conscience universelle. Comment vous décrire sa puissance latente, son infini respect, le ravissement, la joie rayonnante, la béatitude, la paix, l'harmonie de son être? Vous pouvez contempler l'idée que l'univers tout entier a pris forme et vie de cette immensité de conscience et comprendre cela. Mais vous ne pouvez percevoir davantage qu'un électron de l'immense, incommensurable réalité joyeuse de la conscience universelle. Pour comprendre pleinement la nature de la création, pourquoi l'ego fonctionne ainsi, pourquoi les entités créées ressentent les besoins qui sont les leurs, réalisez que les natures et qualités de la conscience universelle sont joie rayonnante, accomplissement, bonheur. C'est ce que j'ai appelé le royaume des cieux en vous, en votre âme, dans les recoins les plus reculés de votre psyché. Cet intermédiaire entre le rayonnement de votre âme et le soi obscur de l'ego. Revenir à cet état d'être transcendant, glorieux, beau, heureux, harmonieux, est le désir le plus ardent de votre âme. Cette aspiration constante, mémoire innée et inconsciente d'équilibre, de paix, de joie et d'harmonie, pousse l'ego, à travers la psyché, à manipuler l'environnement en votre faveur. Son but constant est de vous ramener à votre état originel d'extase glorieuse d'où vous avez tiré l'âme, l'être de la forme. Cependant, il n'est possible pour l'ego d'attirer à vous la joie et le plaisir auxquels vous aspirez qu'en usant des deux impulsions magnétiques et émotionnelles d'attraction-rejet. Elles sont les impulsions matérialisées qui vous donnent votre individualité. Votre aspiration innée à rejoindre la source de l'être est vécue dans les paramètres électromagnétiques de la pensée et des sentiments, comme encore, encore et toujours davantage de ce qui a déjà procuré une sensation de plaisir. Encore de nouveaux amis, de nouvelles maisons, voitures, habits, etc. Chaque petit plus engrangé fait jaillir une lueur de satisfaction. Il est parfois cause d'un peu de « m'as-tu vu auprès des voisins »,
ce qui en intensifie le plaisir. On a plus qu'une lueur supplémentaire. Puis la nouveauté meurt, l'acquisition récente devient ordinaire, les sens se calment, ils sont en équilibre. Apparaît la fatigue mentale, c'est le retour de la norme et ennuyeuse routine. Pour susciter un peu de vie, l'ego s'empare d'un autre objectif qui lui apporte plaisir et excitation. Ainsi passe la vie, à poursuivre inlassablement toutes sortes de satisfactions personnelles. L'âme, cachée, demeure affamée, insatisfaite, se languissant malgré tout de quelque chose d'autre. Mais que recherche donc si ardemment mon moi intime, vous demandez-vous avec désespoir. Quand une personne comprend la vraie source de son vide intérieur et de la frénésie insatiable qui ne la quitte pas, encore des bonnes choses déjà coûtées, quand elle se met à méditer, établissant un contact avec ce qui lui a donné l'existence, un peu de l'équilibre divin filtre à travers sa conscience humaine. Son vide diminue. Pour peu que cette personne puisse entrevoir une véritable lueur de l'éternel, du vrai but de l'existence, son désir d'avoir toujours davantage s'éteindra de lui-même. Il sera progressivement remplacé par une appréciation juste de ce qui est déjà en soi et un sentiment de contentement durable. Les interventions miraculeuses vécues, la présence de la conscience divine active dans la vie quotidienne aident considérablement la conscience humaine à s'élever. Elle apprend ainsi que ses besoins quotidiens sont satisfaits de la meilleure façon qui soit. Sa foi augmente et sa joie s'intensifie. Sachez-le, je ne viens pas vous enseigner la pensée positive afin d'attirer à vous les choses désirées dont vous avez besoin. Je viens expressément à vous pour vous ramener dans le royaume des cieux. Cependant, ce n'est pas seulement votre désir d'accroître vos biens qui relègue votre âme dans sa demeure secrète. L'ego utilise aussi sa force émotionnelle magnétique qui repousse, rejette, pour assurer votre individualité, intimité, sécurité. Cette impulsion prend des formes variées qui vous donnent un sentiment de supériorité, d'élitisme, vous protège des indésirables, des gens au statut social inférieur au vôtre. Ces comportements de l'ego se produisent continuellement. Même les églises les jugent parfaitement acceptables. Mais la vérité, c'est que l'âme qui commence à maîtriser les pulsions de son ego, réprimande la personnalité humaine pour son égoïsme et son exclusivité. Elle pousse le psychisme à adopter l'amour inconditionnel, la croyance en l'universalité, en l'unité de tous les êtres humains, quel que soit leur statut. Peut-être comprenez-vous maintenant plus facilement le comportement, le comment et le pourquoi de la création de votre individualité. Votre ego a formé une grande capsule d'impulsion physique qui a produit et enveloppé votre conscience humaine, créé votre forme physique et votre personnalité humaine. Elle dirige votre mental et vos émotions, vos pensées et vos sentiments. Elle vous empêche donc d'établir le contact avec votre source de vie et votre âme. Votre but réel dans la vie est de maîtriser votre ego en élevant vos pensées et sentiments jusqu'à ce que vous sentez être derrière la création et en demandant constamment l'illumination. C'est là ce qu'une personne doit faire en priorité. Pour arriver au moment glorieux où elle prend contact avec le divin, puis
La purification constante des pulsions de son ego l'amène à retourner dans l'état céleste, à l'origine de son âme, d'où elle a puisé son individualité. Comment cette création de l'individualité s'est-elle produite? Je vous ai déjà dit que la conscience universelle atteignit un point élevé de contrainte mutuelle, qu'une explosion eut lieu qui scinda l'impulsion de volonté créatrice et l'impulsion des buts aimants. Séparés, intelligence père et amour mère demeurent actifs dans la création en tant que électricité et magnétisme, attraction-répulsion. La vie, réunifiée dans l'équilibre en conscience divine, vie. Ainsi, loin d'être de la matière solide et impondérable, le monde visible est en réalité la force d'activité mentale, en travail permanent avec l'attachement-répulsion émotionnel et magnétisme également nommé attraction-rejet, l'intelligence père, l'électricité physique et l'amour-mère, l'attraction-rejet, magnétique-physique, ensemble, ont enfanté l'ego. Cette impulsion d'individualité naquit et prit une forme immuable, constante, dans les énergies de création. Cela pour que les forces électriques, protons, électrons et tous ceux de la bande des particules, que la science a découvert avec enthousiasme, ne s'envolent pas sans arrêt dans un état sans forme, lointain. Elles restent contraintes et contrôlées par l'impulsion magnétique d'attachement-rejet de l'amour-mère, afin de provoquer la forme manifestée. La science contestera peut-être les paragraphes qui précèdent. Il est vrai qu'elle s'est donné beaucoup de peine pour décrire les divers processus d'attraction et nommer de diverses appellations les énergies d'attraction. La science peut appeler comme elle veut ces énergies d'attraction ou d'attachement. Il n'en reste pas moins qu'elles naissent de l'immense et toute première impulsion de l'amour mère. La fonction de la conscience primaire étant de donner forme à l'individualité. L'impulsion vie intelligente père donne une impulsion électrique à la création. L'impulsion but mère aimant donne son lien d'attraction pour brider et contrôler l'impulsion électrique dans l'individualité. L'impulsion but aimant mère donne aussi l'impulsion rejet répulsion pour assurer la survie de l'individu. C'est cela, le processus de la création. La science ne peut approcher la création qu'en spectatrice. Bien que ses ambassadeurs soient humains et expérimentent eux-mêmes la vie, l'esprit humain peut seulement observer ce qui a été créé. Il ne peut entrer dans les processus intimes de la création, cachés dans la matière et les champs d'énergie les plus fondamentaux. La science ne pourra jamais déceler le facteur motivant X qui donne naissance aux énergies contrôlant la création de la forme individuelle. Mais ce que la science peut dire sur la matière de la création n'a guère d'importance pour vous en tant qu'individu. La science n'apporta pas l'once d'un changement à votre style de vie, votre santé, votre environnement, vos sentiments et vos relations personnelles. Ce qu'il vous faut savoir et que je viens expressément vous dire, c'est comment échapper aux manifestations possessives, protectrices, égoïstes de votre ego qui assurent votre individualité, votre survie et votre aspiration innée à retourner vers la joie bienheureuse, d'où la création entière a puisé la vie. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je suis venue sur Terre et pourquoi je viens à vous, à nouveau. Je fais ce qu'aucun scientifique ne pourra jamais faire pour vous. J'aide votre âme à s'extraire des pulsions de l'ego,
à ouvrir un nouveau programme de vie, de la pensée et des émotions, exprimant directement la vie de la conscience, Père, Mère, injectée en vous et en toute l'humanité à la conception. L'ego possédant lui-même l'élan électrique d'activité-créativité et les impulsions magnétiques émotionnelles d'attachement-rejet, toutes les pensées, sentiments et actions venant de lui sont chargées de vie électromagnétique physique. Celle-ci reproduira des formes de vie qui finiront par se matérialiser dans la vie de l'ego créateur à l'identique. Ces formes créées se manifestent en tant qu'expérience, mais pas seulement. Elles perturbent aussi le bon fonctionnement des processus physiques de leur créateur et causent malaise physique, virus ou maladie. Lorsque l'âme émerge, enfin de la conscience humaine de l'ego qui l'encapsule, c'est une cause de grande réjouissance. La conscience spirituelle qui s'élève créera les conditions harmonieuses et vivifiantes qu'elle garde dans la conscience. À l'inverse, la conscience humaine maintenue sous le contrôle de l'ego, cause de tristesse, source de détresse, d'épreuve, de malheur dans les expériences de vie et la santé physique elle-même. Aussi, je vous dis, vous n'aimez pas votre monde, vous avez le pouvoir, à l'instant même, de changer vos conditions d'existence, si vous persistez dans la foi et la volonté de le faire. Voici une autre façon de le dire pour bien attirer votre attention. Si vous persistez à fonctionner et à raisonner au niveau humain où vous êtes actuellement, vous ne ressentirez que ce niveau d'existence humain. Vous travaillerez dur et mènerez une vie misérable. Vous serez assailli par de nombreux problèmes. Pauvreté, maladie, dépendance. Immobilisé, accablé par la peur et exposé à toutes sortes d'attaques malveillantes. Vous ploierez sous vos conditions présentes jusqu'à ce que vous compreniez comment les modifier. Je vous présente l'occasion rêvée de maîtriser votre vie comme vous ne l'avez jamais fait. Prenez le contrôle de vos pensées et émotions ou impulsions électriques et magnétiques, modèle de vos expériences futures. Car vous êtes semblable au potier travaillant l'argile. Vous façonnez quotidiennement des pots et ustensiles à votre usage. La conscience est l'argile. C'est la matière avec laquelle vous créez votre vie et tout ce qui advient. Vous seul façonnez votre vie sous la forme que vous expérimentez. Avec vos pensées, vous changerez votre propre avenir, si vous voulez bien tenir compte de mes paroles, comprendre vos véritables origines, croire en elles et utiliser cette connaissance au quotidien. Vous pouvez affecter votre environnement, votre foyer, votre famille, votre travail, vos relations et même les plantes, les animaux, le climat. Tout ce que vous maintenez à l'esprit s'extériorise. Il est donc crucial pour vos développements spirituels et personnels de comprendre pleinement tout ce que j'essaie de vous enseigner. N'allez pas croire ces lettres trop difficiles à comprendre et chercher un moyen plus facile d'atteindre le bonheur. Croyez-moi, il n'existe aucun moyen véritable plus facile pour atteindre l'équilibre et le bonheur recherché, car j'énonce ici la vérité de l'existence universelle et de la vie dont vous vous servez en ce moment même pour construire ou détruire votre vie. Toutefois, sachez que vous ne pourrez créer de nouvelles conditions de vie sans avoir au préalable découvert pourquoi et comment vous avez créé des conditions destructrices et négatives dans le passé. Certaines de vos pensées, paroles et actions passées ont créé et mis en mouvement tout ce que vous vivez aujourd'hui. Inutile donc d'en vouloir aux circonstances présentes, ce sont vos propres actions qui sont responsables de votre vie actuelle. Montrez-vous sage, lisez ces lettres et vouez votre force et votre volonté à découvrir les moyens que vous utilisiez jadis par ignorance pour gâcher votre vie.
puis faites le nécessaire pour purifier votre conscience. Vous demandez peut-être pourquoi purifier ma conscience. Je vous le dis, vous n'ensemenceriez jamais un champ de maïs sans passer d'abord la charrue pour retourner la terre et user de l'outillage nécessaire pour obtenir un sol meuble et bien fertilisé. Si par ignorance vous plantiez sans engrais dans un sol grumeleux, parmi les mauvaises herbes, votre récolte serait maigre et clairsemée. Il en va de même quand vos pensées terrestres et égocentriques vous submergent et que vous vivez uniquement d'après vos connaissances, votre force et votre volonté humaine. Vous êtes limité en tout. Et dans l'ignorance la plus totale, vous créez les circonstances mêmes qui limiteront le résultat de vos efforts. Prenez conscience d'où vous venez réellement. Cherchez le soutien de la puissance pour accomplir toute chose dans la vie. Éliminez d'urgence les mauvaises herbes. Purifiez le sol de votre conscience. Vous aurez la puissance pour appui. Elle imprégnera et épanouira votre quotidien. Vous pourriez croire que la puissance est votre fertilisant, mais ce serait inapproprié et inexact. L'engrais est une nourriture chimique dénuée de vie pour la plante, tandis que la puissance qui vous sert d'appui à travers la méditation quotidienne est la vie. Elle revigore votre être tout entier, votre vie et même vos plantes, les briques de votre maison, vos équipements, bien au-delà de ce que vous croyez aujourd'hui. Ceux qui consacrent toute leur puissance de volonté à vivre cette vérité voient ses fruits indéniables dans leur vie. Le voir augmente encore leur foi et détermination. Ils entrent ainsi dans un cercle de bénédiction. Ils s'étonneront que d'autres résistent à cette vérité, choisissant de rester hors de l'harmonie spirituelle et terrestre dans laquelle il est possible de vivre. Si vous êtes prêt à écouter, considérer et méditer les pages qui suivent, vous comprendrez peu à peu ce qui est caché depuis le début de la création. Travail de purification de la conscience. Tandis que vous faites le travail incontournable de purification mentale et émotionnelle, utilisez ce que vous avez appris dans les pages précédentes sur ce qui vous a mené, vous et le monde entier, à l'existence visible. Développez une prise de conscience. Établissez un contact avec sa puissante conscience divine. De ce contact viendront l'inspiration et la force d'effectuer la purification plus rapidement. Durant ce travail, vous vivrez un bonheur et une plénitude retrouvée dans tous les domaines de votre vie. Vous recevrez également de l'inspiration pour votre vie quotidienne. Cela pendant votre méditation ou tel un ray de lumière jaillissant dans l'esprit, alors que vous êtes en paix et pensez à quelques banalités. Si vous accueillez ces conseils, sans les dénigrer ou les rejeter, mais veillez à les suivre fidèlement, vous permettrez à la source fertile et fructueuse d'idées créatrices en vous de jaillir et de se répandre. Tout ce qui vous touche fleurira, s'épanouira et prospérera. Tout vous répondra et vous bénira d'une vie nouvelle. Si vous vous disciplinez à méditer quotidiennement avec une dévotion sans faille, vous sentirez à un moment donné une réponse et un afflux de ce qui vous a donné la vie. Les mots que vous utilisez prendront une nouvelle signification. Ils seront imprégnés de vie universelle. Vous serez inondé de joie que vous sentirez porté à son comble, car vous saurez alors que la puissance est réelle et active dans votre esprit et votre vie.